C'est l'émission Le Miroir et je vous l'ai dit au début, aujourd'hui nous allons parler avec Ella. Ella, elle a lancé Amela Makeup Products et c'est une ligne de produits de maquillage vraiment fait par elle. Donc, et après, elle va nous parler de l'idée, de ce que c'est, des avantages, d'où est-ce qu'on peut trouver tout ça. On va parler un peu plus d'elle. Je pense que c'est très intéressant à l'heure actuelle de voir des personnes, des Rwandais qui vont créer leurs propres produits. Je ne sais pas, quand j'ai entendu son histoire, je me suis dit, il faut que je l'aie sur l'émission Le Miroir parce que mes téléspectateurs ont envie d'en entendre plus. Vous savez, le maquillage, c'est devenu maintenant un truc qui fait vraiment partie du quotidien. On en a parlé avec une make-up artiste, on en a parlé vaguement avec les cosmétiques, avec l'esthéticienne, avec une esthéticienne sur notre émission. Et on va aujourd'hui en parler un peu plus sur le côté, disons, chimique du truc, parce que c'est des produits qu'elle fait elle-même. Et on sait que maintenant, les lignes de maquillage valent des millions et des milliards de dollars. Et peut-être qu'elle aussi, sa ligne vaut déjà ou vaudra dans quelques jours des millions. Donc, mieux vaut la connaître maintenant. Et là, comment ça va? Ça va très bien, comment vous allez? Très bien. Je sais que d'habitude, tu es anglophone. Oui, mais tu as accepté de faire un effort pour nous. Ouais, parce que tu m'as demandé. Oui, how nice is that? How nice. Oui, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur cette émission. Parce que comme je le disais, c'est ce que tu fais à ton âge, en plus tu es si jeune. C'est extraordinaire. Et j'espère que ça va inspirer plein d'autres jeunes filles, jeunes hommes et tout le monde qui nous écoute. Pour commencer, tu as fait tes études dans le commerce. Mm-hmm. C'était au Canada, c'est ça? C'était au Canada, oui. Et puis, tu as travaillé dans une agence de placement de talent. Mm-hmm. Mais de là, tu te préparais déjà pour ton propre business. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là et de comment tu t'es retrouvée à faire cette ligne de produits de maquillage? Oui, bon, j'ai pris le commerce au collège. Et puis après, j'ai travaillé pour une agence de placement pour... une période de 2 ans. J'ai toujours su que je voulais travailler pour moi-même et je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc quand je travaillais, c'était après 1 an que je me suis décidée, je sais que je vais travailler pour, je vais commencer un business ici au Rwanda précisément, mais je n'étais pas encore sûre c'est quoi. Je me suis demandé, ici au Rwanda, c'est quoi est-ce que je peux amener ici au Rwanda qui n'est pas si facile de trouver pour le moment. Et c'est quoi est-ce que je peux amener là-bas que quelque chose que j'utilise moi-même. Donc c'est là que l'idée m'est venue. J'ai commencé à faire mes recherches sur des produits à maquillage parce que moi-même je me maquille toujours. La plupart du temps je suis maquillée, je le fais moi-même et c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je comprends. Donc, c'est pour cela que je me suis décidée de commencer par ce domaine-là qui est les produits de maquillage. Ouais. D'accord. C'est pas quelque chose de facile, je me dis, de faire ses propres produits de maquillage. Non, pas du tout. Ça prend du temps de faire des recherches en ligne, de mois et de mois, parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé à penser à ça après 1 an en travaillant avec l'agence de placement. Donc après le travail, j'allais à la maison, je faisais mes recherches, je faisais beaucoup de communication avec les personnes qui produisent mes produits en Chine. Donc ça m'a pris 2 mois et 2 mois pour finalement réaliser que c'est ça que je vais faire vraiment. Donc tu as contacté des personnes qui font des produits de maquillage Chine. Ouais. Comment tu as fait? Tu leur as écrit juste comme ça? Oui, il y a des sites web en ligne. Tu leur demandes leur email, on communique par email, WhatsApp, Skype.
tout ce que tu peux hein, pour D'accord. Pour et ils t'ont parlé de ce qu'ils mettent, de ouais. nana, de ce qu'il faut ouais. pour le faire. Ouais, ça, wow. ça prend du temps, ça prend du temps. C'est un processus qui est un peu quand même lent. Oui. Combien de mois, combien d'années? Bon, je dirais de 8 à 11 mois. Oh, presque une année, presque une année, ouais. D'accord. Ouais. Pourquoi alors les produits de maquillage et pas autre chose? Moi, je fais des habits, par exemple. Bon, j'aime des habits aussi, j'aime des habits aussi. J'avais eu cette idée, mais oui. comme je l'ai dit, le maquillage, c'est quelque chose que je comprends. Oui. Et puis, l'année 2014, quand je suis venue ici au Rwanda, mm-hmm. La majorité de mes amis m'ont demandé, est-ce que tu peux nous amener précisément des rouges à lèvres? Parce que bon, il y en a ici au Rwanda, mais c'est cher, c'est pas aussi facile de trouver. Puis je me suis dit pourquoi ne pas, si je vais vraiment vendre des produits maquillage, pourquoi ne pas vendre mes propres produits et pas les produits de Sephora, Mac, L'Oréal, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de lancer ma propre ligne de maquillage. D'accord. Et là, je pense que pour les téléspectateurs, il faut comprendre. Observez autour de vous si vous voulez lancer un business. Et voyez ça c'est vraiment vrai. Mm-hmm. Les filles ici au Rwanda, nous aimons quand même to look good. Oui. Donc et c'est... les garçons, on aime bien quand les filles look good. Donc. Ouais. Ouais, donc je me suis dit, tu sais quoi, si je veux vraiment commencer un business au Rwanda, je veux pas vendre des produits de quelqu'un d'autre. D'accord. Ouais. C'est vraiment super comme je le disais. Alors, on entend que tu fais tes propres produits de maquillage. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que Amela Makeup Products? Ouais, Amela, c'est une ligne que j'ai lancée l'année passée au mois de novembre, si je m'en souviens très bien. J'ai commencé ici au Rwanda. J'ai commencé avec des produits rouges à lèvres. J'ai lancé 10 différentes couleurs. Et puis, cette année, j'ai augmenté mascara et concealer. Pour le moment, j'ai 3 produits dans ma ligne. Ouais. C'est ce que tu portes aujourd'hui? Ouais, toujours, toujours. Depuis que j'ai commencé mon business, je porte rien que Amela. D'accord. Ouais. Oh, super. C'est très beau. Merci beaucoup. Donc, c'est là, déjà, je pense que les gens, ils ont une idée de quel est le résultat. Ouais, les gens aiment ici les filles, mais surtout mes rouges à lèvres. Mm. Les gens aiment. Et puis, mascara, j'aimais juste d'ajouter ça. Ça fait 2 mois que j'ai acheté mascara et concealer. Mes rouges à lèvres, ils tiennent vraiment pour longtemps, pour des heures et des heures. Ouais. Je peux manger, je peux nager. Bon, je nage pas, mais pour les filles qui nagent, ouais. La pluie peut tomber, ouais. tout, you can name it. Okay. Et puis rien ne va arriver. Hein. Je vais regarder, je vais de 8h du matin à 20h du soir, je suis toujours la même. C'est pour cela que les gens ici aiment mes rouges à lèvres. D'accord. Et à quel point tu es impliquée dans le processus de création de ces produits? Bon, je dirais du début à la fin parce que je suis la seule dans Amela. J'ai pas de partenaire, j'ai quelqu'un d'autre, j'ai personne d'autre qui m'aide. Donc, c'est moi qui communique avec les gens qui produisent mes produits. À contrôle des qualités, tout ça, c'est moi qui fait ça. Les couleurs. Ouais, les couleurs et packaging, tout ça, c'est à moi de faire tout ça. D'accord. Ouais. Parce que je pense qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Il y a trouver ceux qui vont le faire, créer le produit, le produire. Ouais, le produire. Et puis voir la qualité, comme tu disais. La qualité, ouais. Après, l'empaqueter, donc le packaging. Ça aussi, ouais. Et après, il faut le vendre. Il faut le vendre. Waouh. Ouais. Donc c'est tout ça, cela. Tu fais tout seul, toute seule. Ouais, c'est pour cela que c'est pas aussi facile. Ça n'a pas aussi été facile pour moi de commencer. Ça m'a pris du temps. Mm-hmm. Ça prend beaucoup d'argent. Mm-hmm. Et donc, c'est pour cela que j'ai pris mon temps et pour m'assurer que tout va bien avant de mettre mes produits au marché. D'accord. Quels sont les plus grands défis, les plus grands challenges que tu as sur ta route maintenant et qu'est-ce qui te fait continuer? Le challenge, je dirais que c'était de ne pas recevoir un chèque chaque 2 semaines, hein, parce que avant que j'ai commencé à Amela, je travaillais à temps plein.
J'étais habituée à recevoir mon chèque chaque 2 semaines, donc j'avais aucun problème. Donc, quand j'ai quitté mon travail, je suis venue ici au Rwanda pour 5 mois, je pense, l'année passée. J'ai dû m'habituer à ne pas gaspiller de l'argent, à ne pas doing shopping. Ça m'a pris de la discipline. Et puis aussi, mais j'ai continué parce que j'ai jamais connu personne qui a réussi en abandonnant. Je sais qu'au fur et à mesure que je suis patiente et que je continue à travailler, je vais avoir des résultats que je veux. C'est vrai, c'est une belle philosophie. Le travail, le travail, le travail. Et Ouais. le résultat viendra après. Ouais. Oui, c'est l'émission Le Mihua sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous sommes sortis du studio comme nous le faisons tous au mois d'août et au mois de septembre aussi. Parfois, on parlera anglais comme on l'a fait la semaine dernière et comme on le fera peut-être dans les semaines qui viennent. Et puis aujourd'hui, on a la chance quand même d'être avec Ella qui est à la tête de Amela Makeup Products. C'est des produits de maquillage qu'elle crée elle-même et qu'elle vend elle-même. C'est vraiment impressionnant, vous le savez. Comme vous le savez, dans l'émission Le Miroir, on a toujours des petits jeux pour nos invités et on va y aller avec un quiz, vrai ou faux. Est-ce que tu es D'accord. prête? J'espère bien. D'accord. Alors, pour le quiz d'aujourd'hui, on va vérifier si Ella, avec tout le travail qu'elle a à préparer les produits de Amela, elle a le temps de suivre un peu les célébrités ici au Rwanda, tout ce qui soit impliqué dans la pop culture, disons rwandaise, mais également dans la beauté, en quelque sorte. Allez, alors, une première question. Trendy Shadow est un célèbre chanteur ougandais qui cartonne au Rwanda. C'est Une là le famille. chanteur? Oui, roi ougandais qui cartonne au Rwanda. C'est faux Ça ou c'est c'est faux. vrai? C'est faux! Parce que Ah, c'est vrai. make-up artist. Oui, tu le Trendy Shadow, connais? tout le monde le connaît. Ah ouais, bien sûr, tout le monde le connaît. Moi je connais Oui. Trendy Shadow. C'est vrai, Il bravo. est Si on avait vraiment un public sur le plateau, ils auraient applaudi. Oui, et une deuxième qui est. Hey, Trendy Shadow. Hello. Une autre question. Un Rwandais est devenu Mister Africa en décembre 2017. Vrai ou faux? Qui Un ça? Rwandais Un Rwandais, est devenu Mr. Africa? Mister Africa Quand ça? en décembre 2017. Ça, c'est vrai, Vrai ou si faux? je m'en souviens. C'est Vrai. vrai C'est vrai, aussi. hein? Ah, C'est tu vrai. suis finalement. Ah. Ouais. Bravo. Il te reste une dernière question et là, c'est-à-dire que tu auras 100% et que tu vas passer à la classe supérieure. La ville de Kigali ne compte aucun institut de beauté créé par une personne rwandaise. Ça, c'est pas parce qu'il y Vrai ou a faux? moi, hein? Ah. Oui, c'est faux. En effet, et je parlais de l'Institut de beauté, je parlais Ok, de ça et grande. tout, et c'est faux parce qu'il y a Lily Cosmétique dont on a parlé dans le. Et Lily Dans Cosmétique, c'est en ville, oui, hein? c'est en Ouais, ville. je connais. Oui. Ah, bravo. Bon, il y a moi, il y a Lily, il y Il a. y a plein d'autres. Il Il y en a y en a, il y plein. en a. Ouais. Et pour donc c'est ce que je disais en fait au début. On a parlé de cosmétiques, on a parlé de make-up artist avec Clarisse de Exodus. J'espère qu'un jour on aura la chance de parler avec Trendy Shadow qui est super. J'ai la chance de travailler avec lui sur un défilé une Oui, fois et super. on le connaît sur les réseaux sociaux et tout. Et maintenant, qui sont vraiment comme des artistes de maquillage. Mais toi, tu es dans la production Ouais, je suis de dans la production. produits de maquillage. Et ça montre que c'est quelque chose qui. C'est super. N'est-ce pas, Merci. chers amis? Oui, c'est l'émission Le Miroir. On avait le quiz et tu as réussi. Bravo. Alors, on va passer au tic-tac. C'est des questions. Qui demande l'honnêteté pour te Ok. connaître un peu plus. D'accord. Oui. Des questions qui peuvent être personnelles ou pas. Mais bon, on va voir. La première question, le thème, c'est Ella sans maquillage. La première question, est-ce que tu irais dans la rue, tu sors d'ici, on est chez elle d'ailleurs, tu sors d'ici chez toi et tu vas dans la rue sans maquillage. Ouais, j'ai fait 2 fois. C'est vrai? Plus souvent, je porte des maquillages, mais ouais, ça arrive que je Parfois, quitte tu la maison. peux Ouais, aller en parfois. public. Ok, Ouais. Mais c'est. d'accord. C'est bien. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir sans maquillage. Et je les comprends. Je ne juge personne. Irais-tu dans un rendez-vous galant et date pour les anglophones sans maquillage?
Non. Dans la rue, non. D'accord, mais pas à ce point-là. Pas là, non, non, je pense d'accord. pas. D'accord. Pourquoi est-ce que le maquillage te donne plus de confiance en soi? Je sais pas, parce que, premièrement, parce que j'ai mes cheveux sont courts. Donc, avec tes cheveux comme ça, va falloir faire quelque chose pour ta face. Hein. D'accord. Sinon, je ressemble à un garçon. Ah, d'accord. Je veux pas que les gens me disent you look like a dude. C'est vrai, c'est vrai, ça se comprend. Et une dernière question, c'est juste trois questions, donc c'est bon. Est-ce que tu serais dans un clip vidéo d'une superstar, disons, qui est la plus grande superstar maintenant? Je sais pas, quelqu'un qui est super célèbre comme, je sais pas, dans le monde entier, sans maquillage. C'est-à-dire que c'est une vidéo qui va être vue par le monde entier de Ella sans maquillage. Je pense que... Maintenant que j'y pense, je sais pas. Comme Alicia Keys qui porte moins de maquillage. Elle porte pas... Elle porte rien du tout. Peu, je sais pas. Pas du tout, je pense pas. Pas du tout, hein. Oh, ok. Bon, ça dépendrait, c'est quoi la vidéo, pourquoi est-ce que... Pourquoi ils veulent que je sois naturelle? Parce que moi, j'aime bien me maquiller, hein. Donc, si... Je sais pas, c'est vraiment pas facile à répondre à cette question pour le moment. D'accord, est-ce que c'est une... Mais c'est quand même quelque chose que tu te dis, si le monde entier pouvait me voir sans maquillage... Moi, ça me dérange pas que les gens me voient sans maquillage. J'ai fait deux fois. C'est pas comme si je porte des maquillages 24 heures, 7 jours par semaine, mais plus souvent, ouais, j'en porte. Puis, I have to represent Amela. Ça, c'est sûr. Mais... Si tu as une raison de plus de porter du maquillage. Ouais, je peux pas vendre mes produits alors que je suis naturelle. Je peux pas te vendre un rouge à lèvres si j'en ai pas. C'est plus facile de vendre si j'en porte. D'accord. Ouais. Super. Merci beaucoup pour l'honnêteté. C'était pas facile, c'était facile. C'était facile. Ouais. Super. Alors, avant qu'on finisse avec notre interview, quel serait ton message pour les téléspectateurs? Mon message, ce serait que mes produits sont disponibles ici au Rwanda, à Kigali. Je le vends ici. Quand je suis ici, je peux faire des livraisons par demande. Et j'ai aussi deux magasins qui vendent mes produits en ce moment. J'ai Benita's Closet à Nyamirambo. Il y a aussi DDC Beauty, je pense, MIC en ville. Oui. Donc, vous pouvez nous appeler pour faire des commandes. On peut livrer. Mais quand je ne suis pas ici, quand je suis pas ici au Rwanda, Benita peut s'en occuper aussi. D'accord. Ouais. Super. Ouais, et pour ces jeunes qui ont des rêves, qui ont des ambitions et qui, comme toi, eux aussi veulent, je ne sais pas, conquérir quelque chose de nouveau et qui ont peur peut-être ou qui commencent déjà, quel serait ton message? Mon message, ce serait de juste commencer. Parce que si je me disais pourquoi quitter mon travail, quand j'ai quitté mon travail, c'est pas tout le monde qui m'a soutenu, c'est pas tout le monde qui a compris pourquoi je quitterais un travail à temps plein pour aller commencer quelque chose que je sais même pas si ça va marcher. Hein. Donc, d'avoir le courage de commencer et puis de savoir ce que tu veux vraiment avant de commencer quoi que ce soit. D'accord. Ouais. Super, merci beaucoup. On a passé un bon moment, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? Oui. Et avant de finir, on pose toujours cette question. Donc, tu es face à ton miroir. Là, tu es en train de mettre les produits de Amela sur ton visage et tout. Lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi? Qu'est-ce que tu aimes le moins sur toi? Je suis obligée à répondre. Oui, bien sûr. Je dirais que ce que j'aime, c'est mes yeux parce que j'ai un regard de ma mère. Oh. Et c'était quoi encore la question? Est-ce que tu aimes le moins? Pour le moment, je ne sais pas si j'en ai. Hein. Parce que si c'était 2009-2010, j'en avais beaucoup. Et maintenant, je suis mature, j'aime tout ce que je vois. Pas pour dire que je suis parfaite, mais elle est parfaite. Je suis confortable avec tout ce que j'ai. Ah là, c'est une chance. Sérieusement, va à la messe, va faire. Remercie le Dieu tout puissant pour te sentir parfaite. Merci beaucoup. Merci. On a passé Marie. Un super moment avec toi. Ouais. Bonne chance avec Amela. Il faut continuer à grandir le truc. C'est à l'abus. Oui, parce qu'il y a Kylie de Kardashian qui a un truc de maquillage qui vaut des milliards. Elle est billionnaire en plus, hein? Oui, peut-être que toi aussi dans
Ouais, c'est L'année ça le prochaine, but. lorsqu'on se revoit ici. Ouais. Ah! Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous étions dans la partie de l'invité avec Ella. Il est à la tête de Amela Makeup Products. C'est une ligne de maquillage, de produits de maquillage qu'elle a lancée elle-même. Et elle les vend ici à Kigali, comme vous avez entendu. Vous pouvez la contacter sur les réseaux sociaux pour plus de détails. Et on va continuer tout de suite avec un petit bonus. Okay. Salut, si vous avez aimé la vidéo que vous venez de regarder, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour avoir plus de vidéos comme celle-ci.